Bonjour les filles, de retour de Action Les Sept Chemins, petite balade du matin avec mon amie Alexiane. Donc j'ai trouvé celui-ci. Attendez, j'ai même pas vu si. Je crois que je ne l'avais pas acheté, mais j'ai même pas vérifié. Peut-être que je l'ai en double, c'est pas grave, le vintage, j'aime bien et je trouve que c'est super joli. Regardez tout ce qu'il y a. Ils sont super beaux ces papiers, franchement. Ça m'a plu. J'adore, moi, c'est celui-ci avec les fleurs. J'adore. Ouais, c'est un peu con. Regardez. Je tombe dessus. Alors, ça, c'était 2,75. Franchement, 2,75. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, du double face. Double face. La référence. Le double face. Le double face. 59 centimes. Sincère, 59 centimes, j'y crois pas. J'ai trouvé les fameuses fleurs en tissu. Les fleurs en tissu, j'en ai pris plusieurs paquets. Voilà, je les aime bien. Alors, c'était pratiquement toutes les mêmes. Hein. Je crois que, voilà, celle-là, les mauves, ouais, hop, et hop. De toute façon, c'est les mêmes, je pense. Hein. Voilà, hop, et celle-ci. Super jolie, les fleurs en tissu, c'est 94 centimes le paquet, franchement. J'ai acheté, alors, les perles en bois comme ça, oh. J'ai un peu mélangé de partout, les perles en bois, j'en ai pris plusieurs paquets comme ça, avec différentes couleurs. Ça, combien c'était? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bah écoutez, j'en sais rien du tout. Hein. Je les ai vus tout à l'heure. La fille, je les ai vus tout à l'heure. Je sais pas. De toute manière, on s'en fout un petit peu. Parce que tout le monde les connaît. 94 centimes en bois. Voilà. Je me suis pris celui-ci. Merci à Anna avec un H. Qui nous fait, vous savez, les vidéos de différentes actions, surtout placées là-haut. Mais je les ai trouvées. Et plutôt que prendre les autres, celle-ci, je l'adorais, parce qu'il y a le couvercle. Je trouve qu'elle est ronde, elle est trop mignonne. Franchement, pour le tarif, je n'ai même pas regardé le prix, parce que quand il y a quelque chose qui me plaît, voilà. Sincère, j'aurais dû en prendre deux, trois. Alors, je ne sais pas, par contre, s'il y avait d'autres modèles. Ça me fait penser au quartier de Mandarine quand vous l'épluchez. Ça, c'était une misère. C'était une misère. Il est par là. Je l'ai vu. 99 centimes. Non, mais sincère. 99 centimes. Super. Attendez, je vais vous faire les DP après. Voilà. Je vais faire comme ça parce que. Alors, j'ai trouvé ça. Je les ai trouvés. Moi, je les avais jamais vus. Vous savez, c'est les petits copeaux d'alu feuille embellissement. Je les avais jamais vus. Je les ai pris comme ça. Et puis ceci. Il n'y avait pas les ors. C'est des golds, ceci. Hein. C'est des golds. Je suis contente. Je suis contente. Voilà. Deux paquets. Pris ça. Alors ça, oui, les feuilles, c'était combien ça? Parce que si je vous dis pas le prix, il y en a qui connaissent pas, qui seraient peut-être contents de savoir le prix. Hein. Il y a un truc là que je vois pas ce que c'est, mais enfin bon. Où c'est que j'ai vu ça, moi? Un 39 pièces. 1,39 pièces. Ok. J'ai trouvé ça. J'étais contente. C'était éparpillé dans le rayon. Bon, j'en ai trouvé que deux. Mais enfin, j'ai déjà pas mal de peintures, de choses comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait. C'était ceci. Les métalliques. Donc, c'est en vert. Vert et bleu. Voilà, vert et bleu. Ouais, j'étais contente. Et sur les tons de rose et violet. Rose, violet. Moi, je trouve que c'est très joli. Et franchement, c'est pas cher, ça. Je m'enrhume. Combien c'était, ça? Je sais pas.
exemple, de dessin. Ça, je ne sais pas ce que c'est, hein. Mais enfin, bon, vu le prix, les fleurs, les pots de provisions, les bonbons, création. Ah oui, j'ai pris de la colle. Là, 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 là. Ben, ça alors. La fille, ça alors. Ben, écoutez, j'en sais rien. Parce que j'ai coché les rubans. Les diamond painting. Ah, si, pardon. 1,45 pièces. Franchement, mais. Bon. C'est vraiment. Je vais pas me répéter parce que je vais me faire engueuler. Les gens vont encore. Et j'ai trouvé. Alors, je suis très contente parce que j'ai trouvé. J'ai dit que c'était Action les 7 chemins. Hein. Oui, je vous l'ai dit. Les nouvelles. Les nouveaux rubans dentelles comme ça. Parce que ça, c'est une nouveauté. Hein, je vais vous dire. On a eu un magazine comme ça il y a des années. Mais là, chez nous, c'est la première fois que je les vois. Je les voyais passer en vidéo. Regardez ça. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. Regardez. C'est sympatoche, ça fait vieillot, j'adore moi. Oh, pour faire le vintage, j'ai trouvé cette couleur-là, sur les tons de bleu, vert, marron. Pareil là, voilà. Blanc, rose, rose plus foncé. Sur les tons de marron. Ah oui, j'aime vraiment moi ces deux-là, c'était pour les deux. Parce que de la dentelle, je vous dis franchement, j'en ai pas mal. Acheter chez Action, acheter dans des brocantes et tout. Et sur les tons de marron, c'est pas les mêmes. Voilà, voyez. Hop. Alors avant, chez Action, si mes souvenirs sont bons, on avait celles-ci autocollantes. Je les avais achetées, oh là là, il y a des années en arrière. Mais ça, bon, ça c'est quoi? C'est combien ça? Combien c'est ça? Ruban de dentelle. Non, mais sincère, 99 centimes le lot. Vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ah oui, non, ah oui. Alors, je me suis racheté. Alors, je me sers de la colle, de la Tombow, bien évidemment. Quand je fais des mini-albums, des choses comme ça, voilà, je me sers de ça. Ça, je l'achète chez Stampin' Up, vu que je suis démon Stampin' Up pour mes achats personnels. Si on veut acheter chez moi, je suis super contente, mais voilà, vous avez ma boutique en ligne, Petite Créa de Lulu, Brigitte Boisson. Mais pour ce qui est la carterie, les choses comme ça, je prends la Takiglu, parce que sincère, je trouve qu'elle est très bien. Moi, elle me convient très, très bien. Franchement, par contre, un album, enfin, je l'utiliserai pas pour un album, hein, pour que ça dure dans le temps. Un album, on le manie et tout. Je pense que bon, j'ai fait de la publicité, oui, mais voilà. Si vous voulez pas l'acheter chez Stampin' Up, hein, je vous dis pas, on peut la trouver chez Amazon, hein, voilà, en grosse quantité. Et celle-ci aussi, qui est très très bien. Moi, vous voyez, je celle-là, elle est pratiquement vide. Parce que je m'étais trompée. Je m'étais racheté de la colle comme ça. Et puis je disais, mais l'autre fois, je fais une carte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette colle? Elle est dégueu. Ah bah oui, je m'étais trompée. C'était une colle de je ne sais pas quoi, là. Le même. Attendez, je tourne. Non, c'est toujours de la taquille. Bon, enfin bon. La colle, combien elle fait? La colle. Je l'ai vite tout à l'heure. Création, colle tout. Ah, oui, ben 99 centimes. Voilà, c'est ça. Deux fois 99 centimes. Et l'autre, c'est le même prix, 99 centimes. Donc, c'est clair. C'est clair de chez Claire. Ah, voilà. Ce que je vous disais. Ce que j'avais acheté de plusieurs couleurs. Voilà. Oh zut, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Aussi. Et puis les couleurs comme ça en bas, la mandarine, j'adore. J'y trouve très très mignon. Alors c'est pareil, j'avais acheté chez Action, vous savez, les pistils, les tiges avec le. Peut-être je ferai les fleurs et ça rentre dedans. Donc ça ferait super joli. Ouais. Et puis en plus, elles sont très très fines. On vous a déjà fait la publicité. Hein. Regardez, une très très fine, je suis contente.
Ouais, c'est des jolies couleurs. Moi qui adore le vintage, ça va bien m'aller. Ça, j'ai trouvé. Alors, combien? Ah, bon, je vous l'avais dit. À l'heure. J'ai trouvé. Ouais, ça, c'est des petites. J'ai trouvé. Celui-ci, je ne l'avais pas eu dans la série. Enfin, nous, je vais vous dire franchement, chez Action Les 7 Chemins, hein, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Il vaut des fois mieux aller à Vaise. Ouais. Là, nous, c'est à côté, donc on va au 7 Chemins. Hein, puis on est pris par le temps, des fois. Voilà quoi. J'ai pris celui-ci, j'avais pris les autres grands, dont je me suis servi voilà, pour faire des petites choses vintage et autres. Donc je suis contente de l'avoir trouvé, celui-là, ça brille. Mais regardez, en plus on dirait un petit biscuit. Ça me donne envie de croquer dans un petit biscuit. Le rond, ben, on en a toujours besoin. Ouais, bon, important, je trouvais que c'était sympa. Les notes aussi, les flèches, bon. Franchement, je suis contente de ça. C'est vraiment pas cher. Combien je les ai vus aussi passer, puisque je les ai achetés. Tchac, ouais. Ruban, pochoir, ruban, aquarelle. Waouh. Je sais jamais où sont les trucs. Ça m'énerve, hein. Franchement, ça m'énerve. Bah, j'en sais rien. Mais ça doit être dans les deux soirs. Block design 30-30. Non, c'est le machin 2,75. Clear. Voilà. C'est 4. Hein? Ça, c'est 84 centimes. J'en ai acheté. C'est ça. J'en ai acheté 3. 84 centimes. Non, mais sincère. Alors, c'est sûr que dans le temps. Je vous dis franchement, moi, quand j'ai eu acheté des tampons il y a très, très, très longtemps, hein, 3, 4, 5 ans, quand j'ai voulu m'en resservir, hein, parce qu'on en a tellement à ce tarif-là que bon, il n'y avait plus le tampon. Hein, il me restait le. Comment on appelle ça? Le plastique, là. Non, ce n'est pas du plastique. Mais il me restait l'acrylique, là. Je ne sais pas quoi. Il n'y avait plus rien de noté. Il n'y avait plus. Un jour, j'ai même coupé la queue du renard. Alors, pour vous dire, hein, ouais. Mais enfin, bon, il faut s'en servir, je pense. C'est bien quand on n'a pas les moyens. Voilà, quand on veut beaucoup de choses, qu'on commence ou. C'est franchement, Action, c'est bien. Alors, nous, c'est un petit peu au-dessus. Et puis après, ben, vous avez des marques. Voilà. Hein, mais c'est la qualité. Vous payez la qualité. Certes un peu cher, parce que quand même, mais c'est la qualité. On ne va pas dénigrer quand même. Hein. Celui-là, je ne l'avais pas. Comme j'ai des petits neveux et des nièces, je trouve que c'est super sympathique. Franchement, non mais 84 centimes, j'en reviens pas que j'ai payé 84 centimes. Des tampons clear comme ça. Et j'ai trouvé celui-ci. Vous savez, on a déjà eu. Enfin, on en a eu un. C'était d'autres fleurs. Et j'étais contente, il n'y en restait plus qu'un. Donc, ma cope, ben, il n'y en avait pas pour elle. J'ai eu beau chercher. Alors là, il y en avait peut-être quoi? Sur tous les tampons, il y avait peut-être une dizaine de trucs comme ça. Là, il y avait beaucoup de celui-ci. Les animaux. D'ailleurs, attendez. Non, mais attendez. Sur un paquet, je regarde, je dis, mais il manque un tampon. Ah ben, c'était celui-ci qui manquait. Il manque un tampon. Donc, celui-ci, il n'y était pas. Mais pire! Mais pire de pire, ici, celui-ci, il avait été tamponné. Donc, une personne a récupéré le lion et a fait un essai tampon avec celui-là, marron. Il était marron, on voyait qu'il avait été tamponné. Non, mais attendez, sincère, c'est pas cher. Oh, 84 centimes quand même, tout le monde peut se les payer. Ne les essayez pas dans le magasin. Franchement, mais oh. Et puis en plus, voler un tampon, n'importe quoi. Mais des fois, c'est du n'importe quoi. Là, ouais, franchement, je me suis dit, les gens, ils sont un peu. Hein, jobasses. Hein. Tac-ta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 . Je cherche. Ouais. On est plusieurs. ça, voilà, j'ai pris ça, les étiquettes, parce que je ne l'avais pas. Et c'est toujours bon d'avoir des étiquettes. Bien que, ben, vous ne voyez pas ma tour.
Stampin', je commence à avoir une très bonne collection. D'ailleurs, il aurait fallu que je m'achète une deuxième tour, parce que je ne peux pas. Et j'ai pris ceci. Voilà, je trouve que c'est des petits tacs qui sont sympatoches. Je ne les avais pas. Donc, toujours pareil, hein, le prix. Pochoir, découpe et gaufrage, 3,39. Ouais, ça doit être ça. 3,39. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ça. Non, mais bien sûr, par rapport à des marques, c'est donné. Mais bon. Alors. Ça, c'est du personnel, donc ça ne vous intéresse pas. Alors, oui, il y a ça. Et puis après, il y a ça. Voilà, je sors un petit peu. Ben là, ça aussi, c'est une crème pour les mains. J'avais perdu ma crème Nivea pour les mains qui était super et tout. Je m'en rachète une Nivea, mais une autre, que je ne connais pas d'ailleurs. Je vous montre la carte, elle était devant mon nez. C'est pas grave, on a toujours besoin de crème pour les mains. Je l'ai rachetée. Eh mais c'est celui-là, voilà, bloc de dessin à 1,16. Je me disais, je n'ai pas acheté de bloc de dessin, mais si. Le Vintage Botanical, je suis sûre que je l'ai déjà acheté. Mais dans ma scrap, je ne vous dis pas le caca. J'ai beau la ranger, je crois qu'on est toutes pareilles. J'ai beau la ranger, je ne comprends pas. Hein. Je perds des choses. Ma copine me dit, c'est toujours en train de perdre quelque chose. Ben oui, je sais. Donc, écoutez, je l'ai repris. Ça ne mange pas de pain. Il est super. Moi, j'adore. Vous le connaissez. Hein, bon, hein, on est pas mal à faire des vidéos là-dessus. Donc, je suis contente. Et là, je suis contente, mais je viens de réaliser la gagouelle du coin. Je viens de réaliser que je me suis acheté un dévidoir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, ouais. J'espère que... Un dévidoir à scotch, là, vous savez. J'espère qu'on ne m'a pas volé ce qu'il fallait. Non, ça va. Ça, parce que... Mais j'ai oublié d'acheter le scotch. Je dois en avoir dans la maison. Celui-ci, c'était une misère, 1,22. Ah non, c'est pas ça. C'est le vernis à ongles. Non, c'était pas 1,22. Il était à 1,50 ou je ne sais pas combien. Une misère. Voilà, la crème Nivea, 1,88. Alors, bon. Qu'est-ce que... aquarelle, pinceau, fraîche, un ruban, écouteur. Ah, ça, c'est... Ah, ouais. Crème... dévidoir de ruban, 1,56. Ah, bah tiens, j'ai retenu le prix. 1,56. Franchement, il manque rien. Au moins, sur le bureau, vous êtes toujours en train de... Ça se casse, le plastique, ça m'énerve. Enfin, bon. Donc, ça, c'était mes achats. Alors, je ne vous montre pas. Je me suis acheté du papier sulfurisé. 99 centimes. Hein. Les mêmes qu'on achète dans les magasins. Donc là, franchement, 99 centimes. 8 mètres. Faut pas déconner. C'est pas cher du tout. La crème Nivea, je vous l'ai dit, c'était 1,88. Qu'est-ce que j'ai acheté? Le vernis à ongles 1,22, du marron foncé, que d'ailleurs ça irait bien avec mon papier vintage. Ça, qu'est-ce que j'ai acheté? Les éponges pour faire le ménage. D'ailleurs, je suis rentrée, mon mari avait fait tout le ménage. Hein. Ouh, et oui, Alexiane, et oui, Muguette aussi, il avait fait le ménage. Les cols, je vous l'ai dit. Ah ben, il y en a une qui était... Hein, non. Ah oui, mais parce qu'il y en avait deux, 99 centimes, c'est bien ce que je vous ai dit. Le bloc 2,75. Ah, maintenant on attaque. Bon, c'est un peu... Maintenant, il va falloir y ranger tout ça. Hein. Alors, je suis super contente. Vous allez dire, elle est complètement folle. Regardez. Je suis hyper contente. Mais regardez celui-ci. Oh, je ne le connaissais pas, mais franchement, alors c'est vrai que je ne les mets pas au mur, mon mari ne veut pas, donc ça me... J'aime bien les faire, hein, ça me repose. D'ailleurs, je vais finir l'autre, là, les fleurs, j'ai super bien avancé, il me reste peut-être la grosse fleur du bas, mais celui-ci, il est sublime, moi qui adore les tulipes, oh là 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 là, ah ouais, les roses et tout, non mais il est très beau, il est super beau, et c'est des rondes, voilà, regardez-moi ça. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Je ne l'avais pas vu passer. Hein.
sept chemins, je vous ai dit, action sept chemins. Combien celui-ci? C'est les plus grands, ils sont plus chers. 4,99, les 40 par 60. Voilà, c'est ça, 40 par 60. Et regardez, je suis super contente. Ah ouais, regardez, j'ai trouvé le chien, l'éperlonde. Mais il est beau ce chien, hein? Il y a quelqu'un qui l'a fait, je lui dis, oh, il est magnifique, il me plaît. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé et je crois qu'elle m'avait dit à Vaise. Alors, je ne sais pas si elle va passer par chez moi sur une de mes vidéos, mais je n'ai pas trouvé l'éléphant. Il n'y avait pas l'éléphant et le cheval, il n'y avait pas. Je crois qu'elle, c'était l'éléphant et le cheval, je ne sais plus. Mais enfin, sinon, je vous l'aurais pris avec plaisir si je l'avais trouvé. Eh ben non, je ne l'ai pas trouvé. Ça, j'ai trouvé ceci. Donc, j'étais contente aussi. C'est des carrés. Vous savez, je vous avais expliqué que j'avais commencé par des petits. Ils sont accrochés au mur et tout. Par des petits 20 par 20 ou 30 par 30. Non, je ne sais pas, ouais. Et j'avais commencé par les perles rondes. Et je disais, ah là là, moi, quand je vois les gens qui font des perles carrées, oh, ça m'inquiète et tout, je me sens pas d'y faire. Eh bien, écoutez, je préfère les perles carrées. Eh ouais, je préfère les perles carrées. J'espère qu'il va bien ressortir. Il est joli, ce loup, hein. C'est un loup. Ouais, un loup, ouais, c'est un loup. Hein, il est beau, celui-là. Et c'est les plus petits, ils sont moins chers, ils font 3,49. Il n'y a pas beaucoup de différence. 4,99 ou ouais, 3,49. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Et alors là. Mais alors là. Pareil, je ne l'ai jamais vu passer. Mais regardez-moi cette beauté. Des pensées. Ouais, c'est des pensées. Hein. Parce que moi, il y a les fleurs. Oh, mais je les ai trouvées trop belles. Regardez-moi ça. C'est carré aussi. C'est des petits 40 par 30. C'est vrai que les petits 40 par 30, ça va bien. Regardez. Ah, mais je suis super contente. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, alors, j'avais vu la tour Eiffel. J'y tiens, la tour Eiffel, c'est pas mal. J'aimerais bien la voir. Elle me plaisait pas. Il y avait la tour Eiffel. Il y avait un fleuve, là, je sais pas quoi. Et puis une barque. Bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas prendre du diamond painting quand je vois qu'il y en a qui en ont 50 d'attente. Ah bah oui, j'ai vu une vidéo, je la critique pas, elle fait comme elle veut. Mais elle avait 50, j'en suis peut-être loin. Déjà, puis qu'elle achète pas chez Action, hein. Déjà posée comme ça. Bon, comme je dis souvent, j'ai peur des zombies, ils peuvent attaquer. Si vous avez 60 diamond painting à faire, il y a de quoi. Vous pouvez patienter, hein. Non, c'est trop. Moi, j'achète au coup de cœur. J'ai pas envie d'acheter, comme j'ai déjà dit dans des vidéos, pour le fait d'acheter. Alors, c'est sûr qu'il y en avait d'autres. Je vous les avais présentés. Moi, alors, attendez, je vais vous en faire voir un. Celui-ci. Ouais, je suis revenue. Celui-ci, il est très joli, c'est des rondes. Moi, pour moi, je le trouve beau. Alors, ça va être compliqué à travailler, certainement, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais celui-ci, dans ma scrap room, c'est vrai que j'aimerais bien le mettre comme les deux autres que j'ai mis là, le mandala derrière et puis là. Mais franchement, il y en a qui ne l'aiment pas. Vous voyez? Tout le monde est différent. Moi, celui-là, je l'adore. Il me fait penser à un beau tapis et tout. Ah oui, je le trouve super beau. Je regrette qu'il ne soit pas en carré. Ouais, il est en rond, c'est dommage. Il y a des perles spéciales. Oh, il y a des perles spéciales. Ouais, là. Pour les mettre ici. Vous voyez, je n'avais même pas vu. Je les avais achetés chez Action. Je vous avais fait une vidéo pour celui-là. Mais enfin, moi, je suis contente. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. J'en ai 11 d'avance. J'ai bientôt fini. Je vous dis, il me reste une fleur. Là, j'ai des cartes à faire et tout, donc c'est un peu compliqué. Ce week-end, il faut que je m'occupe. J'ai des cartes pour mariage. Trois cartes pour un mariage. Le mariage de mon fils, d'ailleurs. Je dois finir son urne de mariage. Il ne me reste pas grand-chose. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est fini.
J'en ai pas pour longtemps, ouais. Et puis, ben, peut-être que je ferai du diamond painting ce soir. Mon mari m'a ramené une lampe que je pose sur la table et ça m'éclaire vraiment le diamond painting. J'ai les plaques, vous savez, qu'on a achetées là, qu'on paye pas cher, toujours pareil chez Action. Elle était à la salle à manger, zut. La plus grande, j'ai pris. Sincère, ça me fatigue les yeux. Bon, j'ai des problèmes de vue, hein, voilà. Et je trouve que moi, ça me fatigue d'être penchée et de regarder, d'avoir cette lumière, vous savez, qui, pour moi, ça me gêne. Donc j'en ai deux. J'en ai un grand, j'en ai un petit. C'est pas grave. Hein, le petit, j'ai une copine qui vient de commencer en DP. Donc je suis contente, je lui ai donné envie. Hein. Si tu passes par là, ma chérie, je te le dirai de toute façon de vive voix. Si tu veux la petite plaque éclairante, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Elle est là d'ailleurs. Bah, je te l'offre. Hein, parce que voilà, si tu commences par des petits, je trouve que ça serait très bien. OK? Et puis si un jour ça ne te plaît plus, ben, tu l'offrirais aussi à quelqu'un d'autre. Comme ça, on fait un tour. Enfin voilà, écoutez, j'étais super contente. Je remercie encore Alexiane que je suis et puis qui me suit aussi. Super gentille parce qu'elle me véhicule. Franchement, j'adore ces moments. Pas parce qu'elle me véhicule, hein, parce que le vendredi après-midi, on fait du scrap ensemble, un petit thé, une petite boisson fraîche et tout. C'est notre petit moment à nous. Ça nous sort un peu du. Même si on est à la retraite toutes les deux, hein, ça nous sort de notre train-train. Quotidien et ça nous fait du bien. Voilà, on repart. Voilà. Donc, je te fais plein de bisous, ma chérie. Tu passes un bon week-end. Bisous à tes enfants. Et puis, moi, ben, je vais vous dire à bientôt. J'aurai des choses à vous montrer. Je ne peux pas maintenant parce que je suis en train de créer pour des échanges. Donc, je ne peux pas vous les faire voir. Je n'oublierai pas de les prendre en photo. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'oublie de les prendre en photo. Et mon amie Alexiane, elle me dit, mais t'as encore oublié. Eh ben oui, je suis comme ça. Je suis tête en l'air. Mais enfin, écoutez, je vous fais plein de bisous. C'est Petite Créa de Lulu. Vous me retrouvez sur Facebook. Brigitte Boisson. Démo Stampin' Up. Mais pour moi. Et puis voilà. Hein? Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.